Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 30 petits bonheurs, ça sera je crois la troisième édition. Alors ce qui s'est passé avec cette vidéo, c'est que j'ai commencé à la filmer en janvier 2020, oui c'est ça, et le confinement est arrivé en mars, j'étais loin de l'avoir fini et je me suis dit je vais laisser tomber. Parce qu'en fait pendant le confinement j'ai eu des vrais moments de bonheur mais j'avais quand même un peu l'impression de tourner comme un lion en cage chez moi, j'avais pas grand chose à montrer, et voilà, j'ai complètement lâché cette vidéo, et je l'ai reprise en fait, courant septembre je crois, donc vous allez voir des images qui ont parfois plus d'un an, ou quasiment un an, mais ça n'a pas d'importance, l'idée c'est comme d'habitude de vous montrer 30 petits bonheurs que j'ai vécu sur 30 journées différentes, donc ce sont, comme vous l'avez compris, des journées qui ne sont pas les unes à la suite des autres, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Donc vous allez voir, je crois, mon ancienne machine à café, parce que j'ai regardé très rapidement ce que j'avais filmé, donc il y a des vieilles choses. Il y a des séquences dans la rue à Paris, quand je suis allée à Paris l'année dernière, ça fait voilà plus d'un an que je suis pas allée. Donc soyez pas étonnés si niveau chronologie on n'y est pas du tout, mais je trouvais dommage de mettre ces images à la poubelle. Donc j'ai profité pour les compiler dans cette vidéo qui s'étale donc sur plusieurs mois. J'espère que ça vous plaira, moi c'est une vidéo c'est un concept de vidéo que j'ai adoré démarrer il y a quelques années en arrière maintenant. Je trouve que c'est très sympa de retrouver toujours une petite note positive dans une journée, même quand elle est soit banale, soit complètement triste. Et avec ce qu'on vit actuellement, je crois que ça fait pas de mal. Donc j'espère que le concept vous plaît toujours autant. Je vous mets dans la barre d'infos les deux précédentes éditions. Et voilà, j'arrête de parler, je vous laisse avec les images. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent à côté de moi. Donc comme vous le voyez, je suis à Paris pour mon blog, pour un court séjour de 2 jours. Et quel bonheur de passer à côté de cette jolie dame au fond sur la route du retour de mon cours de yoga. Donc là, je repars vers mon hôtel. Je fais partie de ces provinciaux qui s'extasient à chaque coin de rue à Paris parce que je n'ai jamais vécu ici et j'y vivrai probablement jamais. Et je ne sais pas si je me plairais ici, mais là, la vue est quand même particulièrement canon. Je me suis fait une petite virée solo chez Ikea et moi, mon grand bonheur, c'est ça. Les boulettes de viande à la suédoise avec leur sauce, ça doit être chimique au possible. Mais franchement, je me régale. Alors aujourd'hui, c'est la chandeleur. Alors on fait des crêpes. Et on adore les crêpes. Le menuisier vient de partir et je suis trop contente. Il a enfin accroché les étagères. On en a profité pour lui faire accrocher les cadres et tout le reste. Ça y est, ça ressemble enfin à notre chez nous parce qu'on a quasiment toute la déco qui est au mur. Et c'est trop bien. Mais dis donc, ça serait pas l'heure de la sieste par ici ? Jean ? Alors on a acheté cette petite étagère pour mettre dans la salle de bain comme vous voyez. Et alors regardez, oh, mon enceinte Bluetooth rentre mais parfaitement dedans. Alors je trouve ça très satisfaisant. Non mais regardez ce que je viens de trouver sur le micro-ondes. Ma passion. S-I-E-M-E-N-E-S. Bravo. Je suis devant mon ordinateur à une heure où je ne devrais plus être devant mon ordinateur, mais c'est pas très grave. Mon petit bonheur du jour en ce moment, c'est les miniatures de vidéos. Je m'éclate à les faire. C'est un domaine que j'avais pas du tout investi depuis que je fais des vidéos sur YouTube, depuis 2013. Jusque là, je mettais juste soit des captures d'écran de la vidéo, soit un plan fixe sur quelque chose dont je parle, mais j'avais vraiment jamais investi ça, et c'est un peu comme la couverture d'un livre, en fait, il faut quand même que la miniature donne envie aux personnes de regarder les vidéos. Je sais pas si ça fait plus de vues maintenant que je fais ça qu'avant, je n'en ai aucune idée, mais l'essentiel c'est que je m'éclate, voilà, je m'amuse bien à trouver des polices sympas, des jolis designs, pour que ça soit cohérent, et j'espère que ça donne envie de cliquer sur les vidéos du coup. Ah, le premier café du matin. Comme vous voyez ici, 8h38. Pour beaucoup, c'est l'heure de se lever à cette heure-là le matin. Et moi, c'est l'heure d'aller me coucher. Parce que je sors de ma dernière nuit de boulot, de mon week-end de travail de nuit. Donc, personne sur la route. Tout le monde est parti au travail et maintenant je vais me coucher. Comme vous le savez, c'est mon petit plaisir coupable de dormir quand tout le monde s'active. Non mais le bonheur du linge tout chaud qui sort du sèche-linge. Je vais pouvoir refaire mon lit tout de suite. Ça veut dire que je vais me coucher dans des draps tout propres et surtout un tout petit peu chaud. Ça c'est
juste le bonheur. Je suis très 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 contente de la tournure de ce petit coin que j'ai pensé pendant plusieurs mois et j'aime vraiment bien ce que ça rend. Bon, faut faire abstraction de la bougie qui penche, mais sinon l'idée est là et je sais pas, je trouve que c'est très apaisant et je suis contente d'avoir pris le temps de trouver des petits éléments de déco qui me plaisent. Bon, je suis vraiment pas une grande couturière. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc ça fait des années que je donne régulièrement des trucs à ma mère pour qu'elle les répare et là j'ai décidé il y a quelques mois de me faire violence et puis de réparer les choses par moi-même. Donc ça c'est un legging qui appartient à Inès et depuis la rentrée scolaire, je crois qu'elle a troué 4 ou 5 pantalons. Alors quand le trou est immense, bon, on peut pas faire grand chose, mais quand c'est juste un petit accroc, franchement, ça fait suer. Et puis maintenant, elle grandit quand même moins vite, donc elle garde ses vêtements un moment. Donc on va pas pouvoir acheter des pantalons tous les deux jours. Donc j'ai réparé ce legging. Bon, alors c'est pas du grand art. En plus, j'ai l'impression que sur la caméra, ça ressort encore un peu plus marqué que ça ne l'est en vrai. En réalité, c'est assez discret, mais je suis très fière de moi. Voilà, parce que j'ai enfin réussi à faire quelque chose en couture alors que c'est vraiment vraiment pas mon fort, donc je suis très fière de moi. Je viens de finir d'enregistrer un épisode pour mon podcast qui s'appelle donc Compresse Esparadrap, si vous avez loupé l'info, et je suis très 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 contente de l'enregistrement de ce matin. C'est une psychologue que j'ai interviewée et elle travaille en milieu carcéral. Donc c'est vraiment un milieu qu'on connaît mal, ou en tout cas dont on entend beaucoup beaucoup de choses dans les médias, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal formulées, mal comprises, et je suis très contente d'avoir pu lui donner la parole, et j'espère que l'épisode plaira autant aux personnes qui l'écoutent qu'à moi lorsque je l'ai enregistré. Bon, c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous le montrer, mais je suis fan de ce bouquet. Il en est à sa deuxième semaine de vie, donc il a plus vraiment fière allure, mais j'adore avoir des fleurs chez moi, c'est quelque chose qui me fait hyper plaisir. Et je l'ai mis sur ce tabouret, c'est pas forcément le meilleur endroit pour mettre un bouquet, le radiateur chauffe à peine, hein, donc le bouquet ne surchauffe pas, mais comme ça je peux en profiter toute la journée pendant que je suis à mon bureau. Il est vraiment trop joli, j'adore les bouquets avec de l'eucalyptus comme ça. On a décidé de changer toute notre vaisselle, et en fait on a commandé ce service de la marque Cerax, on a acheté ça, c'est pas lavé, hein, on vient de les recevoir, on a acheté ça dans un magasin à Annecy qui normalement ne vend que aux restaurants, aux hôtels, etc. En gros, mais vous pouvez également y aller en tant que particulier, et je suis fan. Il y a un petit côté irrégulier, c'est un peu moucheté à certains endroits, il n'y a pas une assiette qui se ressemble, et je suis trop contente parce que la vaisselle qu'on avait avant, c'est la vaisselle, c'est un service qui était à mes parents, donc autant vous dire que ça faisait un moment qu'elle était en service, et c'était notre vaisselle d'étudiant, donc on est trop content d'avoir enfin pu changer ça. Regardez-moi ce petit rangement quasiment vide, en tout cas il n'y a plus rien d'urgent à traiter. Bon, on fera l'impasse sur le gros carton par terre là qui doit partir chez Emmaüs. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'ai fait du tri et que ça fait du bien. C'est la saison des bugnes, je répète, c'est la saison des bugnes. Et y a-t-il une plus belle journée dans l'année que la journée qui annonce la saison des bugnes? Je ne crois pas. Hier soir, avant de me coucher, j'ai regardé le spectacle de Kian Kojandi. Kian Kojandi, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favorite. C'est un gars que j'adorais avant, mais que j'ai vraiment découvert ces dernières semaines. Et il a un spectacle, il est parti en tournée pendant plusieurs mois avec ce spectacle qui s'appelle Pulsion. Et il l'a mis en ligne en fait. Sur son compte, sur sa chaîne YouTube. Donc c'est gratuit, c'est lui qui a pris cette décision là, donc c'est juste une décision adorable. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup d'humoristes, de stand-uppers, tout ça, qui ont pris cette décision là. Et alors, mais c'est à mourir de rire. C'est-à-dire que, bon, moi je suis très bon public, mais franchement, je l'ai regardé hier dans mon lit, ça dure un tout petit peu plus d'une heure, je crois que dans mon esprit ça a duré 10 minutes, je pleurais de rire, mais littéralement j'avais des larmes qui coulaient, et Quentin n'a pas voulu le regarder avec moi parce qu'il avait d'autres trucs à faire, et du coup je le re-regarde ce soir avec lui parce que franchement, rien que d'en penser à certaines scènes, j'ai envie de rire, mais c'est fabuleux, je vous le mets sous la vidéo. Vous pouvez pas continuer dans votre vie sans avoir vu ce spectacle. Bon, c'est assez fou l'ironie des choses, parce qu'au final ça va probablement être le premier hiver de ma vie où je ne vais pas skier. Et vu que j'habite en Haute-Savoie, c'est quand même assez ironique.
Et à la fois, c'est, je crois, le premier hiver où je vois autant de neige à Annecy. Alors là, ça commence tout juste à tomber, hein. Il y a quelques tout petits flocons, mais c'est pas la première journée que ça arrive. Et par chance, ça ne s'est déroulé que sur des jours où je ne travaillais pas. Donc je suis tranquillement chez moi à regarder la neige tomber dehors. Et ça, c'est un vrai bonheur. Je reviens de chez la pédicure. Je vous montre pas mes pieds parce que les fétichistes des pieds, là, je... j'ai l'impression qu'ils ont... lancer un concours sur mes réseaux, donc hein, je vais pas leur faire ce plaisir. Tout ça pour dire, avec la machine à laver en fond, que ça fait tellement du bien, une bonne petite pédicure, j'ai l'impression d'avoir des pieds tout neufs, et c'est une sensation extrêmement agréable. Mon petit bonheur d'hier soir, c'était de me coucher dans des draps propres, juste après m'être épilé les jambes. Alors c'est une sensation que les personnes qui s'épilent uniquement pourront comprendre, mais quand vous avez les jambes toutes lisses, toutes bien épilées et que vous vous glissez dans des draps frais, il y a une sensation sur les jambes qui est indescriptible. Voilà, peut-être que je suis la seule à ressentir ça, mais c'est vraiment un truc que j'adore. Bon, les beaux jours sont loin d'être là, mais je me suis trouvé une paire de lunettes de soleil. Alors, je pense pas que ça plaira à tout le monde, mais je suis trop fan. Parce qu'elles sont... elles sont immenses, elles sont très rondes. Et j'avais repéré un autre modèle dans la boutique. Mais vraiment, je crois que j'ai déjà 10 fois les mêmes. Des lunettes rectangulaires, un peu écailles de tortue. Et en fait, voilà, on m'a fait essayer celle-ci. Et le coup de foudre. Alors vraiment, je pense que ça sera pas au coup de tout le monde. Ça fait peut-être un peu mouche, mais je suis trop fan. Je vous le dis, la marque, si ça vous intéresse. Cutler & Gross. Ça s'écrit comme ça. C'est une marque anglaise, apparemment ça vient de Londres. Et elles viennent de la boutique Blandine Optique à Annecy. Voilà, si vous êtes d'Annecy, vous connaissez probablement cette boutique. Le conseil est excellent, puis il y a un grand choix de modèles. Et oh bah, ça me refait carrément ma journée. Alors là, vraiment, il va falloir que le beau temps arrive, parce que c'est nécessaire. Mais je suis trop fan. Vous savez ce qu'elle signifie, ces deux panières complètement vides. Bon, si on fait abstraction de ce torchon, ça veut dire que je suis à jour dans le linge. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Tout le linge est lavé, séché, plié, repassé, rangé dans le placard. C'est une nouvelle très satisfaisante pour commencer la journée. Et mon petit bonheur du jour, c'est de enfin pouvoir poster cette vidéo qui est en préparation depuis... un an ou quasiment. Voilà, je vous expliquais en début de vidéo pourquoi j'avais pas pu poster ça tout de suite, surtout parce que je l'ai un peu mise de côté pendant plusieurs mois, mais c'est un format que j'adore et je sais qu'il vous plaît aussi. Donc j'espère que tous ces petits instants de vie vous auront plu, vous aideront peut-être aussi à voir la vie en rose, ou en tout cas en un petit peu plus rose que ce que vous voyez d'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.